En 1974, parmi les nombreux scénars que John Carpenter écrit, il en est un sur un prototype de voiture futuriste et un voleur charismatique, Black Moon Rising, ou Sans issue en français. Ne bougez plus ! Quint ! Quint est donc un voleur professionnel qui va devoir s'accaparer une cassette pour le gouvernement qui fait pression sur lui dans un building et qui va cacher cette cassette dans un bolide ultra perfectionné conçu par trois Texans, Windom, Tayden et Billy. Carpenter a déjà écrit et vendu des histoires par le passé comme Les yeux de Laura Mars que le réalisateur Irving Keschner mettra en scène avec Tommy Lee Jones. Harley Cochlis, ancien réalisateur de seconde équipe sur l'Empire contre-attaque d'Irving Keschner, la boucle est bouclée, en est ici le réalisateur peu inspiré, certes, mais assez pour nous divertir. Il a été le réalisateur du Nanar, le camion de la mort en 1982, et de Malone, un tueur en enfer avec Burt Reynolds, et alternera avec la télévision. J'aimerais avoir les clés de la Rolls, celle de l'Excalibur, de l'Aston Martin et des deux Mercedes. Le film est produit et scénarisé par le grand John Carpenter, et oui, aidé par Desmond Nakano, qui va faire Last Exit pour Brooklyn de Uli Edel, Le Sans Rémission d'Edward James Olmos, et William Gray, qui travaillera lui sur Philadelphia Experiment de Seward Traffield et beaucoup de séries télé. Un script aussi simple et mince qu'une tranche de jambon de Bayonne, un truc à la Carpenter où l'on sent bien que le nom est utilisé à des fins commerciales. L'histoire originale prévoyait un groupe pour prendre d'assaut la Tour des Méchants entre Assaut et New York 1997 donc, et qui sera réduit à Quint aidé par les créateurs de la voiture, soit deux personnes et Nina. La voiture, elle, est designée par le français Bernard Beaujardin et Clyde Quack, un prototype de 1980, la Wingo Concordia 2. Un seul modèle existe et il fut utilisé bien sûr pour les scènes de conduite, l'autre étant pour les scènes intérieures où elle ne bouge pas parce que c'est une réplique. Une voiture supersonique nommée Black Moon donc, d'où le titre en VO Black Moon Rising, Lune Noire pour ceux qui n'ont pas fait anglais deuxième langue, et dont le point culminant du film sera un saut entre deux gratte-ciel d'un parking intérieur à des bureaux. On est loin du Carpenter de 1985 qui tourne, qui vient de nous sortir Starman, mais correspond bien à ses jeunes années. Le film hérite de tout ce qui fait une bonne série B, couillu déjà, c'est important, avec un personnage principal qui n'en est pas vraiment un, comme tout héros carpentérien qui se respecte, un voleur charismatique, d'un personnage féminin qui n'est pas en reste, et du parfait méchant très méchant, le tout sous fond de petites science-fiction ou anticipations bien torchées. On pense bien sûr donc à New York 1997 avec moins de talent et dont le final très parallèle se termine par une poursuite en bagnole sur une voie sans issue, d'où le titre. Bon alors, à la photographie, c'est clair, on est loin de Lincoln Day, mais Misha Soslov fait le travail, même si les films suivants sur lesquels il travaillera ne sont guère reluisants. Au montage, par contre, c'est autre chose, c'est Todd Ramsey qui s'y colle, qui travailla sur Star Trek, le film de Robert Wise, le New York 97 et le The Thing de John Carpenter, l'Exorciste 3 de William Peter Blatty pour ses hauts faits de gloire, vu que sur la fin, sa carrière descendra très vite. À la musique, c'est le grand Lalo Schifrin, pianiste, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre américano-argentin, plus que culte avec ses musiques et thèmes comme la publicité d'Im, pa-da-da-pa-pam-pam, vous connaissez. Les musiques folles des séries Mission Impossible, Starsky Hutch ou Mannix, Bullitt au cinéma de Peter Yates, 4 sur les 5 Inspecteurs Harry, Opération Dragon de Robert Claus, Les Félins de René Clément, Luc la main froide de Stuart Rosenberg et tant d'autres à nommer, parce que plus de 250 compositions au total. «
Selon les périodes, il alterne ou mélange, en ajoutant des touches de musique latine, ses passions de jeunesse, la musique classique, le jazz et les musiques de cinéma. La musique ici est donc très électronique, percussion, basse et petit orchestre, et ressemble sur son thème au Tonnerre de Feu de Arthur B. Rubinstein, et n'aura pas à ce jour malheureusement été édité, ce qui est fort dommageable. N'oublions pas bien sûr le saxophone des années 80 pour l'amour entre protagonistes. Beaucoup de camions ou décors, hein, comme la boîte de nuit qui se passe à Los Angeles, rappellent le premier Terminator, route, tunnel ou autre. Nul doute que la production le fait exprès. Le film rapportera $6,637,000, mais le budget est encore inconnu à ce jour, bien qu'il est certain que le film fut un échec. Les acteurs, Jeff Bridges, Don Johnson, Tom Berenger et Richard Dean Anderson, et oui, MacGyver, furent pressentis pour le rôle de Quint dans le cas d'un refus de Tommy Lee Jones qui lui était prévu dès le départ. Qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi à sortir. Pousse-toi un peu. Quint, bardé de cuir, est le héros parfait de ceux que l'on n'oublie pas une fois le film visionné. Tommy Lee Jones est un acteur et réalisateur américain né au Texas, mais qui a aussi des ancêtres gallois et des grands-parents cherokees. Quelques séries télévisées et les yeux de Laura Mars en fait un acteur que l'on remarque, mais il faudra attendre sa rencontre avec le réalisateur Andrew Davis en 1989 sur Opération Crépuscule aux côtés de Gene Hackman qui va le propulser en star puisqu'il enchaînera avec le même réalisateur sur Piège en haute mer avec Steven Seagal, Notre endive, et surtout Le Fugitif, adaptation de la série, avec Harrison Ford, dont il remportera la fameuse statuette, l'Oscar du meilleur second rôle en Marshall Samuel Gérard. Tommy Lee Jones in The Fugitive. JFK d'Oliver Stone, bien sûr, Le Client et Batman Forever de Joel Schumacher, Blown Away de Stephen Hawkins, Les Men in Black de Barry Sonnenfeld, US Marshall de Stuart Baird, le spin-off du Fugitif, et tant d'autres. Continuez. Dans plusieurs réalisations, mais une qui se détache, sont trois enterrements superbes. Un acteur ici déjà construit, impeccable, charismatique, et dont la voix française est de Jean-François Poron. Machine intéressante, qu'est-ce que c'est? Une intéressante machine. Comment ne pas rester insensible aux charmes nombreux de notre Sarah Connor de cœur, ici une Linda Hamilton absolument superbe en Nina, voleuse de son état, et tout aussi charismatique que son équipier masculin, d'autant qu'elle y dévoile encore des parties de son corps qui ne nous emmerdent pas quand on regarde. Elle travaille pour Ryland, dont il veut en faire sa maîtresse, avant de se retourner contre lui avec Quint, un électron libre qui se révolte contre ce patron à toute heure, lui essayant de l'enfermer. Où voulez-vous aller? C'est pas vrai. Dehors! Je voudrais vous voir. Tout à l'heure. Après sa réelle révélation dans le Terminator de James Cameron, après être passé sur une adaptation pas terrible de Stephen King, Les Démons du Maïs de Fritz Kirch, en 1986, c'est ce Sans Issue et King Kong 2 de John Guillermin, et puis elle va accéder au statut de star dans la série télévisée La Belle et la Bête, aux côtés de Ron Perlman, et dont elle va obtenir un Golden Globe. James Cameron en fait une Amazon dans son Terminator 2 le jugement dernier, et puis c'est le Haute Trahison de George Pancosmatos, le très bon Pic de Dante de Roger Donaldson, et bien sûr, le film préféré de la saga, Terminator Dark Fate de Tim Miller. Vous aurez compris. Martin Hirzensky spécialise du doublage et sa voix française ici. Vous ne le connaissez pas? Que pensez-vous qu'il cherchait?
Robert Vaughn est donc l'antagoniste du film, Ed Ryland, hein, au sourire carnassier sans égal, un méchant de série B comme on les aime et responsable d'un gang spécialisé dans le vol de voitures de luxe. L'homme est tellement paranoïaque qu'il filme tout et notamment l'appartement de Nina qu'il veut posséder. C'est par le biais de caméras planquées chez elle qu'il verra Quint et Nina en plein débat et mettra cette dernière dans la merde. Espèce de salaud ! Ainsi tu m'as trahi. Il va l'enfermer dans sa tour et Quint devra et récupérer sa cassette et sauver Nina. Vaughn explosera de 1964 à 1968 dans la série télévisée Les Agents Très Spéciaux, puis c'est le superbe Les Sept Mercenaires de John Sturges, Bullet de Peter Yates, La Tour Infernale de John Guillermin et Irwin Allen. N'oublions pas le nanardesque que j'avais vu au cinéma à l'époque et remake des Sept Samouraïs ou Mercenaires, c'est comme vous voulez, Les Mercenaires de l'Espace de Jimmy T. Murakami, méchant de Superman 3 de Richard Lester. Entre autres. Le titre de cet épisode, c'est Une coupure inopinée dans les communications entre nous deux. C'est l'acteur français culte Dominique Paturel qui le double ici, une de ses spécialités dont les voix sur Michael Caine, Terence Hill, Robert Wagner, Lee Major, George Peppard, Roy Thinus, Les Envahisseurs, rappelez-vous, ou Larry Hagman en JR reste en tête. Mais dites donc, je peux vous aider? Je jetais un œil. C'est un prototype? Richard Jekyll est Windom qui a créé la voiture, grand acteur américain, pas par la taille, il tourne dans de nombreux films de guerre ou de western. On le repère dans Les Douze Salopards de Robert Aldrich, Bataille au-delà des étoiles de Kinji Fukasaku qui avait traumatisé les spectateurs de moins de 12 ans lors de sa diffusion dans l'émission L'Avenir du Futur sur la première chaîne. Ah, pas de conneries, on a changé d'avis. Le clan des irréductibles de Paul Newman, dont sa mort cinématographique par noyade sous un tronc d'arbre inéluctable nous empêche de respirer. Le Starman de John Carpenter et de nombreuses séries télé en font un acteur qui n'a rien à prouver. Il décède malheureusement en 1997 à l'âge de 70 ans et c'est Philippe Mareuil qui est sa voix française ici. William Sanderson et Ty Clayden, hein, le second mécanicien qui est sourd et qui s'occupe de la voiture, et même si on l'a vu dans un nombre de films considérables, c'est toujours dans de petits rôles. Mais il en est un qui sort du lot, celui de J.F. Sébastien dans le Blade Runner de Ridley Scott, qui aide à créer les réplicants et qui se prend d'amour pour Price. On le verra aussi en Plein Cauchemar de Joseph Sargent, Haut les flingues de Richard Benjamin, Les Aventures de Rocketeer de Joe Johnson ou Dernier Recours de Walter Hill. On le verra aussi dans les séries télévisées Deadwood et True Blood. Sa mort, il n'entend pas la voiture arriver, hein, ce qui est quand même très triste, et ben, est vraiment percutante, c'est le cas de le dire. Un moment très réussi du film qui va mettre Billy en tous ses états, vraiment bien foutu, bien filmé et le son impeccable. Dan Shore est enfin Billy, hein, le troisième larron qui pilote la voiture et troisième du groupe. On a pu voir l'acteur dans Le Trône de Steven Lisberger en rame qui s'échappe à bord des motos avec Clou et Tron, le Red Rock West de John Dahl, et un petit rôle dans le Air Force One de Wolfgang Petersen. Ce que tu viens de faire, on pourrait appeler ça employer les grands moyens. Donne-moi ça et vite. Du calme. Marvin Ringer est interprété par Living, c'est un homme de main qui veut récupérer la cassette, un fumier vicelard et très balèze en groupe, mais qui va prendre cette année bien méritée une fois qu'il est tout seul. On a vu l'acteur dans Flashdance Adrian 9, Les Rues de Feu de Walter Hill, et là aussi un grand nombre de séries. Où est la cassette? Disparu, on l'a volée. Ben voyons, c'est évident, on l'a volée. Je vais la récupérer, mais faut me donner un coup de main. Je ne te crois pas, tu l'as planquée. Bubba Smith et l'agent Johnson, pas de relation, agent gouvernemental qui tient Quint par les burnes et l'oblige à travailler pour lui. Déconne pas avec le gouvernement. Acteur mais également joueur de football américain, il sera surtout connu pour son rôle de Moses Hightower dans Sea Police Academy. Il jouera aussi dans de nombreuses séries télé. Oh, Quint. Salut, John. Nous sommes un peu occupés. Ah, mais tu viens foutre le camp d'ici. Oh. Iron John, un nom à la Carpenter, est l'architecte qui a construit le building, en tout cas une partie, et ami de Quint. C'est Keenan Wynn qui interprète le personnage. Ce sera malheureusement son dernier film, il mourra la même année. On l'a vu dans Piranha de Joe Dante, Orca de Michael Anderson ou Le Flingueur de Michael Winner ayant tourné depuis 1942. Sa filmographie est immense
et pas mal chez Disney. John ? Il sera tué par l'ordure Marvin qui tabassera Quint en suivant. Il met la garde. En petit rôle, homme de main, salopard, nous avons Louis qui est joué par Nick Cassavetes, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain et fils des grands John Cassavetes et Jenna Rollins. On l'a vu dans Vengeance aveugle de Philip Noyce, Volte-face de John Woo et va réaliser le She's So Lovely avec Sean Penn et Robin Wright et John Travolta, John Q avec Denzel Washington et n'oublie jamais comédie romantique à succès avec Ryan Gosling et la superbe Rachel McAdams. Un film nostalgique d'une époque, certes loin d'être parfait, mais qui coche toutes les cases divertissement avec leurs acteurs qui portent littéralement le film sur leurs épaules. Certes, il faut passer sur la soi-disant haute technologie complètement has-been aujourd'hui, mais de nombreux films de cette époque ont ce problème. Malgré que certaines personnes puissent trouver la première partie du film un peu laborieuse, qui n'est pas mon cas, Sans Issue ravit les fans de série B qui ne prennent pas les gens pour des cons en étant extrêmement premier degré, tout en sachant très bien, comme John Carpenter, de ne pas oublier que c'est avant tout du spectacle. Malgré le manque de moyens, l'empathie pour les acteurs fait le reste et l'histoire du maître nous emporte. Comme sur ces films réalisés, on imagine ce que Carpenter en aurait fait s'il avait été aux commandes et l'envol du Black Moon d'un immeuble à l'autre nous laisse sans voix à l'époque. Refermé. Essayez de débloquer à l'étage en travaux. Un film qui ne paye donc pas de mine, mais une fois visionné, ne s'oublie pas, et qui existe en Blu-ray, à pas cher, vous trouverez les liens dans la description, avec deux jaquettes différentes, modernes ou 80s. Entre le camion de la mort et Sans Issue, le réalisateur s'est clairement sorti les doigts du... Enfin, vous avez compris. Bon, c'est pas Big John, hein, mais c'est pas honteux non plus. Son style s'est grandement amélioré, et l'on trouve sérieusement aucun défaut de mise en scène, et comporte même son lot de morceaux de bravoure, dont le fameux saut en bagnole. Notez quand même que pour Carpenter, c'était juste une histoire de style, on a piqué ma bagnole et je vais la récupérer, et dit qu'il n'a jamais vu le film terminé. Mettre une note à une série B est toujours drôle, seul le cœur et l'empathie comptent puisque techniquement il est certain qu'on est loin d'un gros budget. Ça reste quand même pour moi un énorme 5 sur 6 parce que c'est un film que je regarde souvent, que je possède en Blu-ray puisqu'il est à 10-12 balles, il n'y a pas de raison de se gêner, et du coup bah, je le regarde ne serait-ce que pour voir la plastique de Linda Hamilton. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne connaissez pas ce petit film, regardez-le. C'est le petit film du dimanche soir bien tranquille, les pieds en avant-taille, sur le canapé avec sa chérie, je trouve ça très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires. On en parle ensemble et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est gratos, ça fait plaisir. À bientôt pour du lourd, bye bye. Allez, sois sage. Tu as bien mérité de te reposer.